Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Voici un stade qu'on surnomme le Schlauchboot ou bateau gonflable. Et pas la peine de vous faire un dessin, je pense. Et maintenant, l'hymne national de l'Angleterre. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. On va voir ce que nous réserve ce match. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Allez, j'ai mis sur Luke Shaw. Officiellement, c'est un défenseur latéral. Mais quand on le voit se projeter en attaque, on dirait vraiment que c'est un ailier. Oui, c'est évident, pas de surprise. De la tête ! L'arrêt splendide ! Ah oui, superbe ! Il a trébuché sur cette intervention. Gomez. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, comme moi ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Voici Saka. Bonne intervention, c'est récupéré. Fabian Ruiz qui cherche à construire. Il sent... Oui, il peut frapper là ! C'est dégagé, très loin. Sur la gauche. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Oui, corner. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. Et le ballon a franchi la ligne. C'est le moment de centrer. Attention au centre. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Un long ballon vers l'avant. Oh, voici Kane. Arnold. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est bien défendu, il faut dire. La passe est précise. Oh, c'est chaud. Seul face au gardien. Foden. Oh, il résiste bien. Il continue son one-man show. Il peut frapper. Super. Il joue long sur le côté. Voilà qui met un terme à cette première période.
L'Espagne qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. La seconde période, c'est parti. L'Espagne, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Il tente de la jouer dans l'espace. Il paraissait bien seul aussi. Et dégagement du gardien. Et c'est directement récupéré. Il joue en profondeur. Il y a danger. Ça peut faire mal. Il marque. Ils font enfin la différence en deuxième mi-temps. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque. Il sent l'heure. Et au bout, il y a but. Ça fait donc 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Gomez. Et voici que la pluie fait son apparition. Arnold. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. L'Espagne qui peut avancer. Allez. C'est joué dans la profondeur. Ça ne passe pas. C'est récupéré. Donc il va vite sur ce côté. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Dans la profondeur, bien vu. Allez, ça peut faire mal. Un bon centre. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Le ballon dans la profondeur. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Gomez. Il allonge le jeu. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. Il tire. Le ballon a frôlé le poteau gauche. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. L'Espagne qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Arnold. Service dans la profondeur. Dans la profondeur. Morata. C'était bien joué, dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Ça n'a pas été facile pour eux aujourd'hui, mais le match s'est décanté en deuxième période. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade.
Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un plaisir partagé.